Aujourd'hui, c'est l'ouverture des toutes premières récompenses, Division Elite et également. On va essayer de packer les toutes nouvelles cartes Rush. Bienvenue à toutes et à tous, les amis, sur ce tout nouvel épisode de notre compte PlayStation sur FC25. Toujours avec 0€. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour l'ouverture des toutes premières récompenses, Division Elite et également. On va essayer de packer les toutes nouvelles cartes qui sont dispose sur la nouvelle promo Rush. En tout cas, si le planning te plaît et que tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker et également à t'abonner pour plus de vidéos. Merci à tous les frérots qui s'abonnent et n'hésite pas, si tu fais partie de ces 58% des personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur FC25. Et maintenant, dis-nous dans les commentaires justement le rang que tu vises ce week-end en FUT Champions. Moi, personnellement, ça sera au-dessus de 13 victoires parce que la semaine dernière, j'avais fait 13 wins. Et toi? Moi, ça sera minimum 13 victoires aussi également. On sera tout le week-end en live sur Twitch, donc n'hésite pas à nous rejoindre. C'est parti les amis, bon visionnage. Mais toute première récompense Division Elite. J'espère avoir du très très lourd les amis. On va récupérer deux choix 85+, deux packs Team of the Week 83+. Je pense les garder les gars, ces packs là, parce que l'équipe de la semaine n'est pas folle. Et comme c'est week-end de foot international, il y aura sûrement des très très gros joueurs qui pourront être boost. Donc potentiellement ça peut être cool de le garder. Si j'ai des bons choix, je compte ouvrir potentiellement aussi le pack 50 joueurs 75+ et le pack méga. Par contre le pack 75 éléments 75+, je le garde pour vendredi 19h pour la toute nouvelle promo. Et en plus de ça, on a les 75 000 crédits. Donc là, je récupère les 75 000 crédits. Ça fait plaisir. J'ai à peu près 500 000 crédits actuellement. Ouais, j'ai 498 000 crédits. C'est monstrueux. Et je veux m'acheter un joueur. C'est Raphaël Léo. Par contre, je sais pas comment trouver du lien autour avec lui. Donc, faudrait qu'on calcule tout ça pour voir comment on pourrait l'amener dans l'équipe. Potentiellement, ça me dérangerait pas de changer de formation. Faudrait élaborer la question. Faudrait élaborer la question. Exactement. C'est parti. Bah, Hernandez, les gars, j'ai pas assez ici. Sauf si je pack du lourd, on sait pas. Bon courage, Liam. Les premières récompenses d'Ivilite de Liam. Like, abonne-toi, c'est parti. Ouh, faut se mouiller la nuque. Bastoni, après, c'est pas mauvais, il se vend des crédits. Je vais mettre 22 000. Allez, le deuxième choix. Allez, s'il te plaît. Allez. Yes. Oh, c'est bon. Tu veux que je te dise, il y a combien? Oh, Foden, je sais pas si je vends ou du coup si je le garde. En vrai, je pense que je vais vendre. 72 000, il n'y en a pas. Mais 72 000. Donc 20 000, je me suis à peu près fait 100 000. Les gars, je pense que je vais ouvrir maintenant. Je pense, les gars, je vais ouvrir. Je vais ouvrir au moins les packs vendables. Le pack méga, je l'ouvre. Allez, les gars, c'est des bonnes récompenses. Oh, oh, oh. Non, c'est la nana de... Bambo, au moins, je vois l'animation. La Bambo, ça paye. Allez, Liam, allez. Allez, En vrai, les gars, je pense que je me la joue. Je pense que je vais la jouer à la place de Walker. Hein. Allez, allez, PSG. Allez, 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 PSG. Désolé, les gars, on en pense quoi de la tester, elle, Antonio Silva? Je pense que je vais la tester, les gars, honnêtement. Allez, le pack 50 joueurs 75 plus vendable. Bamo, allez, pas d'animation. Ah si, si, c'est animation. Oh, Renard. J'ai pensé à Saliba. Moi aussi, mec. Double animation. Allez. Ouais, mais la double animation. Ah, ah. Ils sont chauds, les gars, les packs, ce matin. Rafinha. Oh, il y a une bonne fournée, les gars, ce matin. Combien, Vince? Combien, Rafinha? Tiens, Bamo, Bamo, réveille-toi, gamin. Les gars, c'est quoi cette récompense de malade? C'est chaud. Ça brûle. Chaud. Ça va marquer. C'est chaud. Ça brûle. Ça va marquer. C'est moins de 40k, chef. Mais 34. Mais 34. 34 500. Ça panique. Allez, c'est bien. J'aurais dû le garder. Je sais que j'aurais dû le garder, mais... Des hashtags. Ça peut être une grosse double anime derrière. Ça peut être une grosse double anime. Un William Saliba, peut-être. Vas-y, dis que tu regrettes de pas avoir ouvert, vas-y, dis-le. T'as packé le GOAT. Non, parce qu'après, j'irai tous les fans de CR7 à mes trousses. Lâchez-moi. J'aurais dû le garder. Peut-être ça se trouve. Ça se trouve, peut-être il a une carte promo demain, Ronaldo, on sait pas. Ça peut cacher qui derrière. Dis-moi, Rafa, là où. Allez. Fripong. Fripong, c'est fort. Fripong, c'est fort. Tu sais qu'il coûte 10 000. Hein. Ziyech, c'était un bon petit pack, ça. Kerrer, oui. Attends, Kerrer, il a pas une mauvaise carte. Hein. Kerrer, oui, il a pas une mauvaise carte. Hein. Oui, mon frérot. Aïe, quand même. Aïe, quand même. Ah, vas-y, joue. Ah oui, pourquoi tu veux garder? Allez. Ah, j'aurais dû attendre. MG, espagnol. Oula. Voilà, je me suis fait pris à... Le chat, il m'a pris à part dans un coin, il m'a tabassé. C'est comme ça que je ressens la situation. Je viens d'avoir Esther Exposito dans un pack. Bravo, mon ami. Je me suis laissé emporter. Allez, fais des Valverde ou rien. Ah, c'est la même, c'est la même. C'est la même. Esther Exposito. Aïe, aïe, aïe. Non, bon, les gars, je vais pas me plaindre, j'ai des bonnes récompenses. Ah, tu fais les playoffs là d'un coup comme ça? Et bien sûr, je fais les playoffs. Oh, moi j'ai tabassé un grand méchant loup, bien non, sûr que je vais redonner. Liam, il a bien calculé son plan. Oh oui. Mettre de la poudre bizarre dans ma gourde mardi.
Moi je te conseille. Pour l'instant il faut trop avoir un buteur tir en finesse. Quand tu joues contre des 5 def en 10 élite, mon frérot, je te mens pas, le fun il existe pas trop. Moi je trouve pas ça trop fun. Tout à l'heure par contre j'ai regardé une vidéo YouTube, les gars, très intéressante de. Je sais pas si vous regardez, les gars, vous, des vidéos football d'un youtubeur TMF. Il parlait justement du rachat du PFC par rapport au Paris Saint-Germain, etc. Et c'était archi cool et archi intéressant. Franchement, les gars, très cool comme vidéo. Je crois que ça dure 15-20 minutes. Et il explique bien les enjeux du rachat du PFC. Ouais, Vincent, branche-toi, Léo, du coup. Le goal sort pas. Ouais, c'est un enroulé, hein. Mais bon, là, je te mens pas. Pas trop. Oh, magnifique. C'est que c'était sûr. C'était sûr. Waouh. Oh, c'est qu'il y a même pas péno. C'est pour moi, il y a même pas péno. Je sais pas, hein. Pour moi, c'est limite. Pour moi, il y a rien. Ah, le mec, il a tué le match. Ok, il a Smolarek et Al-Jaber devant. Ok. Bien joué ça. Bien joué, Salia. Bien joué, ça. Mec, il est pas mauvais, non? Ça va. Là, il faut que tu tues, là. Bien joué, ça. Oh non, ouais. Bien joué, il avait bien bougé le gardien. Justement, la fait qu'il bouge le gardien comme ça, tu sais que le mec il est pas mauvais. Ah ouais, tu sais que le mec il est pas mauvais. C'est une folie comment il a bien bougé le gardien là. Belle équipe de l'adversaire. Bien joué ça. Bah moi quand j'avais testé en tout cas Mac-Jean, Alexander Arnold, ça allait, tu vois. Après c'était déjà il y a 10 jours / 2 semaines, tu vois. Est-ce que maintenant ça commence pas déjà à devenir un peu dépassé le trend? Franchement les gars, Rizzo il est pas mauvais. Hein. Le mec il a fait l'erreur. Bien joué, Liam. Pourquoi il augmente le marché à votre avis? Parce que les gens ils ont reçu beaucoup de crédits, mon frère, avec les récompenses Rebels. Et là maintenant ils achètent leur équipe pour Future Champions. Il y a eu une injection de crédit sur le marché. Ouais. Et donc du coup tous les joueurs ils augmentent. Oh, oh je suis sûr, en plus. Y a pas d'enjeu, mec. Bien joué ça, magnifique mon frérot. Et j'ai un décalage sur toute l'action, mes joueurs ils sont trop lents là. Les gars, Liam il aura fait deux fois de suite 5-0 dans ses playoffs. Méchant loup, Liam. The next day. J'ai fait beaucoup de drafts et j'ai pu récupérer pas mal de petits crédits. Avant j'avais 400 de crédits donc j'ai fait 5 ou 6 drafts. J'ai vendu toutes les cartes hors commun de mon club et toutes les cartes hors commun des packs hors rares que j'ai pu récupérer des récompenses de draft. Parce que les gars, en gagnant, j'ai fait 5 ou 6 drafts mais j'ai perdu 2 drafts. Sinon les restes, je les ai toutes gagnées. Et j'ai eu, bon, des packs, j'ai eu des packs comme ça. Et j'ai eu 2 packs à 50 000. Les gars, avis sur mon ratio de victoire en draft, plus 300 en différence de but. J'ai fait 36 drafts, j'en ai gagné 25. Et j'ai un ratio de victoire de 69% en draft. Et là, on va récupérer du coup les récompenses qu'on va ouvrir à 19h là pour la promo rush. J'espère un petit pack à 100 000. T'es trop bien, t'es trop bien. Pack Jumbo hors premium, je sais pas c'est quoi. Mais c'est un bon pack parce que je vais me faire des crédits de suite parce qu'il y a des joueurs hors régular. Pack à 50 000 et pack méga. Donc ça va me faire 3 packs à 50 000 en tout les amis. Pour que j'ai récupéré via des récompenses de draft. Bon, ma théorie sur les packs à 50 000, ils sont pas bons cette année, mais on sait jamais. Là franchement, c'est des très belles récompenses. Elles sont très rares à avoir ces récompenses là. Là c'est sûr, je rembourse ma draft. Il est 19h, qu'y a-t-il en SBC? Attends, il y a Alex Morgan et Mallory Swanson. 4 GT, 5 MP, MG, AD, BU, AG. Wow. Tu sais qu'en plus elle est très très elle forte. Elle est très forte in game les gars. Il n'y a pas de playstyle plus malheureusement. Et il y a Alex Morgan en tir enroulé. Oh la carte elle est waouh. Parce qu'elle a annoncé sa retraite il y a peut-être un mois et demi. Waouh la carte 4 GT 5 DMP. Par contre je pense que ça va coûter SR 5 équipes 84, 85, 86, 87 et après c'est 87. 87 là. Les gars, je pense les frérots, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont la faire. Et Swanson juste c'est 84, 85, 87, 86 avec un boost. Ok, je pense les gars, Morgan ça va être aux alentours des 300 000.
Entre plus, 300 même. Et... Là, les faudeurs, 300 ils vont et 400 000. Hein. Ouais, les faudeurs, ils vont monter, là. Waouh. Ouais. Attends, je vais sortir aussi, du coup. Et Mallory Swanson, ça va être... Ouais. Ah, ouais, mais ça, c'est un duo de malade mental. Peut-être 400 000, en fait, Morgan. Ah, plus 400... Moi, je dirais même plus 450 000, frère. Les faudeurs, ils vont bien monter, là. Ah ouais. Ça, voici, du coup, les gars, l'équipe dans les packs. T'as bien sûr Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne avec 80 de vitesse. Waouh. Lauren James, Griezmann, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo aussi très méchant. Très, très méchant. Tire puissant en plus. Trent Alexander-Arnold, que je voudrais avoir absolument dans mon équipe. Il a combien de vitesse, Trent? 82 de vitesse. Le Tchouaméni, ouais. Les gars. Le Tchouaméni, qui est, à mon avis, très, très, très fort in-game. Marta. De Jong. Je pense que les gars, De Jong, ça peut être l'une des cartes les plus méta au milieu de terrain. Si ce n'est peut-être la carte la plus méta, à part les icônes. Je préfère, les gars, largement avoir un Frankie De Jong qu'à Kevin De Bruyne, personnellement. Après, là, Kevin De Bruyne, 80 de vitesse avec le playstyle passe incisive au milieu de terrain, ça va bosser. Et après, derrière, bah, sous-côté des cartes, mais bon, c'est sûrement ceux qu'on aura le plus dans les packs. Les gars, on va voir s'il y a des étoiles, s'il y a des changements d'étoiles de Mopu, de gestes techniques. Bon, Kylian, je pense pas qu'il y ait des changements. Kevin De Bruyne, il n'y a pas de changement. Et les gars, la carte de Kevin De Bruyne, ça va bosser fort. Hein. Très, très grosse carte de KDB. James. Pour l'instant, il n'y a pas de changement d'étoile de geste technique et de mauvais pied. Si, Griezmann, il a pris une étoile de mauvais pied. Frankie Dung aussi, une étoile de mauvais pied. Marquinhos en double 3. Marquinhos, est-ce qu'il a... Ok, les gars, Marquinhos aussi, très très belle carte. Hein. Je voudrais me le tester, moi, ce Marquinhos. Tchouaméni double 3. Il peut toujours jouer DC. Trent, les gars, peut jouer MDC. Trent peut jouer soit DD, soit MDC. Fichu. Les gars, Trent double 4, DD ou MDC. Lui, quand il va sortir des packs, les gars, lui, je vous l'ai fait court. Je pense qu'il va beaucoup monter en prix quand il va sortir des packs. C'est que ça, c'est. Est-ce que tu peux voir objectif l'âme? Ouais. Ça, tu sais que c'est pour moi le meilleur latéral droit du jeu, hein, pour l'instant, Arnold. Hein. Avec cette carte-là, en plus MDC, mon dieu. La promo rush pour l'instant, il faut qu'il nous donne un bon taux de drop, là. S'il y a un bon taux de drop, les gars, les cartes qui sont dans les packs. Ouh là 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 là. Comment on fait les frappes extérieures du pied? On appuie sur L2, comme ça, en fait, l'animation du joueur, il va protéger un peu son ballon et en protégeant son ballon, en fait, il va tirer de l'extérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, je sais pas si c'est pour protéger le ballon, mais dès que t'appuies sur L2, c'est ça. On va voir au niveau des objectifs. Pour l'instant, les gars, c'est plutôt correct. Okay, bah voilà, il y a ça. Le nombre d'XP que tu peux gagner. Ok, faudra faire tous les jours des matchs dans rush, en fait. Adresser une passe décisive dans 5 matchs distincts rush, ok. Donc, comme ça, les mecs, ils vont pouvoir enfin faire la passe. 100 000 points rush, 120 000. 140. En une semaine, 140 000 points rush. Ok, ouais, donc. Ouais, il faut y aller. Hein. Ils veulent vraiment pousser le mode rush, là. Par contre, cette carte-là, avec une évolution, 140 000 points, les gars, c'est énorme. J'espère qu'il y aura des points doublés pour rush. Eh, hey, il y a le fodder, Dani Parejo. Ok, bon. Pas ouf la carte. Hein. Si, il y a ça, s'il y a fortification offensive. Général max 84, rapidité max 88, défense max 49. Post-MOC. Les gars, ça c'est pour faire une évolution à la chaîne. Hein. Ouais, pour moi, ça c'est évolution à la chaîne. Ça. On va ouvrir mes packs, les frérots. Bon, les gars, c'est parti pour le pack opening. On va d'abord ouvrir ce choix 83+. On espère du lourd. Déjà possédé. Waouh. Waouh, ok. Bon, allez, we move. Les amis, il y a le retour du pack à 10 crédits. Allez dans des packs pour vous et on va l'ouvrir. On sait jamais. Animation ou pas? Non, pas d'animation. Pensez à l'ouvrir, les gars, on sait jamais. MDC. Ok. Bon, c'est Busquets. Bon, les gars, on va ouvrir le pack des récompenses de draft. On va commencer par le pack méga. Let's go. Ouais. Ouais, il commence déjà, Yetsport. Animation. Pack méga. Smith. Ah, Katoto. Katoto, ouais. Katoto, ouais. Oh, c'est bon, je prends. Animation. Mais je pense que, les gars, les animations, là, ça doit valoir un petit billet. Hein. Les 88, je pense qu'il doit valoir un petit billet, les amis. Ils vont augmenter un prix, donc je vais faire ça. Je vais envoyer tout ça dans ma pile des transferts, je vais pouvoir gérer ça après. Pilier, je crois que ça se vend aussi un petit truc. Je vais mettre ça à 3000. Et ombre, je vais mettre 4009, ça se vend. Là déjà, t'es rentable de fou sur ta draft. Sur ma draft, là, je suis rentable. C'est quoi, je vais ouvrir le pack de pré-saison. Pack 10 joueurs 80 plus des packs pré-saison. Invendable. On est invendable, allez. Pas d'animation. Amosé. Schalker. Ouais. Oh. Schalker, oui. Ouais, j'ai beaucoup trop d'invendables là dans mon club. Et merci à toi, mon Ilias. Allez. Oh, moi, c'est une animation. Ney! Neymar! Ça, c'est Neymar dans mon manuel. Ouais, c'est Neymar! J'ai pas vu si c'est. Non, c'est pas double animation. Ah, il me donne envie de jouer. En vrai, les gars, c'est propre. En vrai, les gars, c'est propre de fou. Ah, ça me donne envie de jouer. Pour avoir taffé la fin de jeu FC24, en vrai, ça vaut grave le coup. Elle est belle, non, franchement, elle est belle. Le problème, c'est que c'est un peu une galère de lui trouver du lien. Moi, j'avais adoré jouer avec lui. Hein, il faut des icônes. Icônes ou. Mais je pense que bientôt, j'espère qu'il pourra bientôt rentrer dans une évolution pour lui augmenter un peu sa vitesse et son tir. Ça peut être très très cool s'ils peuvent le faire, ça. Yet Sports. Allez, pack 50 000. Vendable. Animation. Pas genre. Est-ce que ça peut être double animation? Là, je suis. Ça, franchement, les gars, ça me régale parce que c'est des récompenses de draft. Et là, juste avec ce pack-là, j'embrousse une draft à deux drafts. Donc, je suis content. Grisou, les gars, il a 1,2 million sur le marché, là. Pour une petite update. Allez, pack 50 000. Le deuxième vendable. Allez, donne-moi une animation. Allez, animation. Encore Kane. Benzema. Benzema, ok, ouais, non. Tu sais que le gabarit, je crois que c'était Mbappé, moi, de base. Non, les gars, Mbappé, il est dans la promo. Non, carré. Moi, j'ai pensé que c'était un Harry Kane devant.
Après, il n'y a rien d'autre dans le pack, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Dernier pack à 50 000, vendable. Est-ce qu'on peut continuer? Ah, c'est non. Pas d'animation. Faut que ça cache Mendy. Après, t'as eu Neymar, t'as eu Mahrez, Benzema. Ah, là, que des joueurs d'Arabie Saoudite. Il faudrait que ça cache Mendy. Ou qui est ça? Aïe. À Kai Havertz, il était dans la promo juste avant. Le pack 5 joueurs 83 plus, des récompenses de saison. Allez. Allez, animation. Egerberg. Egerberg, c'est tout le temps elle, hein. Est-ce que ça peut être double anime? Merci double à toi. Anime. Merci à toi, mon Omega, pour ton prime. Par merci, contre, mon double anime 89, c'est sympa ça. Katoto. Katoto et Egerberg, ok, je prends en vrai. C'est des double animes. Je te rends pas, c'est des fodeurs qui vont être utiles. Trois animes. Est-ce que ce serait pas le moment, Liam, pour toi, peut-être, de faire Morgan? J'ai pas le club. Je pourrais pas lui donner du lien. Pensez, les gars, ça se teste. Moi, je vais le tester. J'ai 414. Je sais pas, j'hésite. Tu sais qu'avec ce budget-là, mon frère, tu peux tester Marquinhos et ça pourrait tout. Il y a personne pour un budget. Il y a personne pour ce budget-là. Hein. C'est quoi, je vais me l'acheter au pire. C'est pas si on perd quelques petits crédits, il va pas descendre. Enfin, je vais acheter Arnold. J'achète Arnold 400 000. Vas-y, achète. Tu devrais acheter, mon frère. Putain. Achète là. Waouh. Il est remonté là. Par contre, il y a un bon taux drop sur lui, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a un bon taux drop, ouais. Les amis, si vous avez kiffé la petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on va espérer faire un énorme Fut Champions avec du coup Trent Alexander-Arnold à droite. Si t'as kiffé, aussi n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. On sera en stream tous les jours ce week-end. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, les amis. Gros big up, moi c'est Liam. Moi c'est Vincent. Ciao les frères.